Bonjour à toutes, ici Sky Galaxy, j'espère que vous êtes toutes bien. Alors nous, on se retrouve pour le 32e épisode de Pokémon X en Ozyrien. Alors j'ai eu, un bug sur mon PC parce qu'il n'y avait pas assez d'espace. Et du coup, il faut que je reprenne l'épisode 32. Les Pokéballs embarqués et expédiés vous à terre et en larmes. Alors là, il va falloir que je fasse autre chose. Mais bon, là, ça devrait être correct. Du coup... juste que c'est dommage de reprendre 20 minutes. Ouais bah c'est ça. C'est bon pour ça. On va rire en fait. Ah non, il y aura un boulet. Ok. Je rêve d'un monde sans problème et je préférais livrer par tapis roulant, s'il vous plaît. Ok. Alors, du coup... Ouais, je vais mettre lui en premier. Parce que sinon ça va être trop long. Alors... ça part pas ça. Ici. Ça devrait aller vite. Je suis une guerrière sans peur. D'accord. Ok, il y en a. Tardif. J'ai 10 sans peur par les missiles. Ok. Est-ce que... Ça y a quelque chose? Non. Il y a une balle. Chrono
Tchernobyl. Pokéball, Pokéball, balle, balle, hyper balle. D'accord. Putain, mais je suis paralysée. Putain. Tout tombe, pas un petit doute. Ok, 43, c'est bon. Tu m'as eu et mon problème de balle n'est toujours pas réglé. D'accord. Si je crois que... Ah oui, elle me soigne. Ok, là, on va ici. Ah non. Oh putain. Ah oui, là. C'est bon. Avec un peu de bonne volonté et d'élégance, travaillez pour nous. Vous n'allez pas laisser une faible femme transporter ses Pokéballs par une, j'espère. Qui plus est, la Team Flare sait se montrer fort généreuse. Avec un don de 50 millions, je crois pas qu'il y ait beaucoup à réfléchir. Mais qu'est-ce que vous pensez, pauvre fou? Le monopole de la Pokéball, moi vivant jamais. Inutile de perdre tout le temps avec lui, je suis d'accord. Quand quelque chose ne sert plus, on s'en débarrasse. Mais que vois-je, une intruse? Vous êtes les intruses. Qui que vous soyez, aidez-moi par pitié. Un PDG de ce Paris? Ah, ça n'est jamais bon, ça n'est jamais bon, c'est croyez-moi. Évitons les déconvenus et procédons à une liquidation totale, tout doit disparaître. Voilà. Mais comment?
La parole qu'elle lâche en amont, tu es la sainte patronne des causes perdues ou quoi? Les managers sont normalement infaillibles, comme cela doit être embarrassant. Bah, il y a toujours une deuxième chance grâce à nous. Mettons les propriétés à notre côté, allons-y à deux contre une. À d'autres, désolé de retard. Encore, mais qu'est-ce que le service de dératisation? Un gamin, deux gamins, quelle différence? Une maîtrise peut bien mater toute une classe, alors deux maîtresses. Moi, j'ai dit, mauvais calcul, la vie ne fait pas le moine ou la science, ou la scientifique dans le cas présent. On se bat côte à côte, oui. C'est parti. Parce qu'il va utiliser l'éclat. Non, notre contact de la manière. Quelle honte, nous ne sommes pas montrés dignes de notre rang. Il est probable que ce n'est que ça, des probabilités, pas des certitudes. Quoi? Non, la défaite, la honte suprême. Assez de Jérémiade. Nous avons déjà récupéré tous les stocks de Pokéball, Super Ball et Hyper Ball. Ça sera fini. Merci de tout cœur. Visiblement, la valeur d'un dresseur ne se mesure pas à son âge. Vous êtes des dresseurs d'exception. Vous en m'acquittez une récompense que préférez-vous une Master Ball ou une Pépite? Maxi Pépite. Vas-y, choisis la meilleure. Et voici. Et comme je me sens du mal général, tiens, je t'offre tout finalement. À toi aussi, bien sûr, Fadjo, si vous insistez. Je suis certain que vous ferez un vrai bon usage contrairement à la Team Flare. Par contre, je me permets de préciser que j'ignore l'utilité de la Max Pépite. Je ne comprends pas ce que la Team Flare cherche à obtenir grâce à un monopole de la Pokéball. Tu vois. Puisque tout est revenu tranquille, on peut faire une visite guidée, non? Avec tout le bazar mis par la Team Flare, ils vont avoir besoin de temps pour tout nettoyer. La Team Flare, c'est un nom, mais dit quelque chose. Ce ne serait pas ce personnage que nous avons vu et qui portait des costumes rouges? Ici, Trovato, en fait, la Team Flare. Ils ont embarqué toutes les Pokéballs, c'est terrible.
À mon avis, il vaut mieux cette année le premier passé de ces films. Trop intéressant cette team là, je peux pas la blairer non plus. Bon, on fait quoi? La carte elle indique qu'on devrait aller à la frescale. Oh là là, Callum et Sky, vous êtes formidables. Vous avez réduit ces clones en bouillie. Ne vous laissez pas emporter vous pour autant hein, sur sa baille. Merci. Grâce à toi, tout s'est terminé sans casse. Mais je sais, je continue à compter sur toi à chaque fois que je. À chaque fois, excusez-moi, ce voyage n'aura plus aucun sens. Il pleut. Flash spécial. La prise d'otage à l'usine de Pokéball dans la prochaine banlieue de Romans-sous-Bois s'est terminée sans incident notable. L'identité des agresseurs est toujours inconnue, mais la direction assure que la crise n'aura aucun impact sur les ventes de Pokéball. D'accord. Pour ça, on va aller au centre Pokémon. On va aller faire soigner. On va vendre ce qu'on a peut-être besoin. Ok. On va acheter. Ouais, je peux m'en prendre 10. Ok. Du coup. Je pensais pas qu'il pleuvrait. On est ici. Du coup, c'est la route 15. Je peux m'acharner là-dessus. C'est quoi là? C'est bon. Oh, ça va faire 20 minutes. Du coup, je crois qu'on va s'arrêter pour là.
D'après les recherches de professeur Platon, il semblerait que les mégaversions permettent aux Pokémon de libérer temporairement une extrémité d'énergie, une extrême quantité d'énergie qu'ils convertissent pour accroître leur puissance à un niveau impossible à atteindre dans le cadre d'une évolution normale. Tous les hommes et les Pokémon possèdent-elles une puissance cachée? Est-elle réservée à un élu? À ton avis, quel peut bien vouloir de tout cela? Je sais pas. Mais bon, ça fait 20 minutes. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite de Pokémon X on the Shot Challenge. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.